Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une lecture en amour. Ça va être comme une mise à jour. Non, ça sortait pas. Mise à jour. Alors, si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire. Vous allez trouver mon adresse courriel dans l'onglet « À propos » ici sur ma chaîne. Et je vais vous donner plus de détails lorsque vous allez m'écrire. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment très apprécié. Je suis déjà rendue à 875 abonnés. Alors, c'est vraiment plus que ce que je pensais ever. C'est vraiment super. J'apprécie énormément. Et vos commentaires, vous êtes vraiment gentils. J'adore vous lire. Et merci aussi de partager et d'aimer les vidéos. Comme ça, le message peut se rendre plus loin à qui ça a besoin. Le but, c'est d'aider le plus de gens possible. Alors, on va aller regarder en amour en général. Ça peut être aussi flamme jumelle, âme sœur, je ne sais pas. Comme ça vous parle, OK? Alors, aussi, je vais utiliser mes vieux jeux. Ben, pas mes vieux jeux, mais des jeux que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. OK? Je ne vais pas utiliser mon Banksy aujourd'hui. Pas besoin d'avertissement. OK. Alors, je vais utiliser mon jeu égyptien. On va aller regarder des messages là. Lui, ça fait longtemps. C'est tellement un beau jeu aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On dirait que j'avais besoin de nouveau. De refresh. Alors, c'est ces cartes-là qui me parlaient aujourd'hui. Ces jeux-là. J'ai aussi un nouveau jeu que j'ai acheté l'autre jour. Je vais utiliser à la fin. J'ai plusieurs nouveaux jeux aussi. OK. Message pour le collectif, s'il vous plaît. J'ai fait une très belle lecture en anglais aussi. Alors, pour ceux qui sont à l'aise, il peut y avoir des messages là aussi pour vous. C'était vraiment une belle lecture. Roi des Pentacles. Chevalier des baguettes. Dix des pentacles. On a le magicien. Alors, je vois ici beaucoup énergie vierge avec le roi des pentacles. C'est quelqu'un de très stable. C'est quelqu'un de très innovateur. Ça peut être vous. Ça peut être la personne pour qui vous vous questionnez. Sur qui vous vous questionnez. Alors, une personne d'élément de terre. Capricorne, vierge ou taureau. Mais je ressens beaucoup vierge avec le roi des pentacles. Le chevalier des baguettes, c'est quelqu'un qui est très... Moi, je dirais, c'est quelqu'un qui est très passionné. C'est quelqu'un qui a peut-être un côté artistique. Très passionné. Quelqu'un qui aime beaucoup plaire à beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui est capable de vraiment une grande stabilité. Ça peut être un père de famille ici. C'est quelqu'un sur qui on peut compter vraiment lorsque cette personne est dans notre vie. C'est une personne qui aime beaucoup jouer, qui aime beaucoup avoir beaucoup de monde qui l'aime. C'est quelqu'un qui c'est pour ça que peut-être que c'est une personne qui est capable de beaucoup de stabilité, d'offrir énormément de stabilité. Mais je pense que cette personne, présentement, n'est pas tout à fait prête. Alors, c'est une personne qui a beaucoup de passion, qui veut se partager avec peut-être beaucoup de monde. Alors, vous n'allez pas, peut-être pas nécessairement
C'est une personne qui aime avoir l'attention de beaucoup de monde. Ça, c'est le message. OK? C'est une personne qui est très... C'est une très belle personne physiquement. C'est une personne qui est attirée à vous. Vous êtes attirée. Il y a beaucoup d'attirance entre les deux. C'est quelqu'un avec qui ça pourrait être très, très bien. Très stable. Quelque chose de vraiment... de stabilité de tous les côtés. Et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. Et il y a vraiment une grande opportunité pour quelque chose de vraiment beau ici. Okay? Vous avez toutes les deux les ressources en place pour faire de cette connexion quelque chose d'extraordinaire. OK? Avec le magicien. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le fond. Est-ce que ça va arriver, ça? Je veux dire, c'est là. Il y a beaucoup de passion. Il y a peut-être ici, avec le chevalier des baguettes, c'est pas le roi des baguettes. Le chevalier des baguettes, c'est un petit peu player. C'est une énergie de quelqu'un qui aime beaucoup être avec plein de monde et qui n'est pas s'attacher pour le moment. Mais c'est aussi une personne très stable. Alors, ça, c'est par choix ici. Alors, c'est pas quelqu'un qui est comme ça de nature nécessairement. C'est juste que présentement, dans leur vie, ils sont dans cette énergie-là. OK? OK. On va aller regarder. Je vais prendre ce jeu ici. Ça fait longtemps. C'est mes Everyday Tarot. Ça aussi, c'est tellement un beau jeu. Je les aime, tous mes jeux. J'ai de l'affection pour tous mes jeux. Il y en a un jeu que je boude pas, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Peut-être à la prochaine fois. Pour d'autres informations, vous allez trouver des liens dans la boîte de description en dessous de la vidéo pour si vous voulez me suivre sur Instagram ou sur ma page Facebook. Pas le groupe, la page. Et c'est ça. Aussi, si vous voulez faire des dons, il y a mon lien PayPal. Merci beaucoup d'avance. Si vous aimez, bien sûr, les lectures, c'est les lectures gratuites pour vous. Le but, c'est de vous aider. Mais pour les lectures personnelles, vous pouvez m'écrire, c'est ça. Vous allez trouver... vous pouvez m'écrire aussi pour d'autres choses, là, si vous avez besoin de n'importe quoi. Là. Je veux dire, si vous avez des commentaires ou vous voulez que je... Vous pouvez aussi écrire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres sortes de lectures. Je peux faire des choisir une pile, ça des fois j'en fais. Ou d'autres questions que vous voulez que je pose. Peut-être que vous avez des questions spécifiques que je pourrais inclure dans les lectures. Ça aussi, vous pouvez faire ça dans les commentaires si je vois que ça pourrait être pertinent. Je vais les poser. Chevalier des épées. Alors, il y a quelqu'un qui veut, qui réalise qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, ça peut s'en venir, ça. Quelqu'un qui réalise et qui veut avancer vite. Sept des pentacles. OK. On voit élément air, gémeaux, balance, verso. On voit aussi élément de terre encore. L'étoile, verso, énergie verso. C'est énergie, c'est pas nécessairement des personnes de ce signe. Ou cette personne peut avoir les ascendances. Jugement. Comme je vous dis, il y a quelque chose de beau ici qui va entrer. Quelque chose de beau, de paisible. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... C'est une relation qui existe déjà. Peut-être pas quelque chose que ça fait longtemps. C'est quelque chose que peut-être qui est récent. Mais il y a quelque chose quand même qui a été semé. OK? Cette relation a été semée. Elle va grandir.
ça va arriver. Ça, c'est une relation qui s'en vient. Ça s'en vient vraiment. Quelque chose de très paisible, de très souhaité, de les deux personnes. Alors, votre personne aussi veut ça. OK? Veut la même chose. Vous voulez la même chose. Vous vous ressemblez énormément aussi. On voit ça. Parce que dans la carte de l'étoile, moi, ça, c'est vraiment un partage égal. C'est deux personnes qui se ressemblent vraiment beaucoup et c'est une connexion qui va être vraiment qui va vibrer vraiment haut, okay? Qui va être spirituel, très paisible, pas de conflit, pas de drame ici. On se comprend, on communique. Alors, qu'est-ce qui va entrer pour vous? Ça va être ça. OK? Je vais utiliser mes chats. Ça fait longtemps aussi. Je les aime. D'autres messages, s'il vous plaît, en amour pour le collectif. Oh! J'en ai échappé. C'était la carte du jugement encore. Répétez le message de jugement. Alors, le jugement, c'est que qu'est-ce que vous voulez qui arrive va arriver. Point. C'est ça. Quelque chose souhaité va arriver. Neuf des coupes. Il y a de l'amour dans l'air. Reine des coupes, il y a de l'amour dans l'air. Vraiment. OK. C'est beau. Oh my God. Le chariot. La tour. Alors, il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment quelqu'un qui s'en vient directement, qui réalise, là, bang, là, tu sais, c'est comme une épiphanie, là, tu sais, là, je l'aime, je m'en vais là, je m'en vais là parce que je l'aime. C'est ça. Fait que je m'en fous si je me fais rejeter, mais il faut que je le dise. Comme l'amour ici, ça m'étouffe. J'en ai beaucoup, beaucoup dans réserve, l'amour. Puis là, ça a besoin de sortir. Alors, avec le chariot, si on avance très vite, très confiant et juste vite. Chevalier des épées, vite. Regardez l'urgence qu'on sent, une urgence à avancer. Ici. OK. Wow! Je sais pas si c'est vous ou votre personne, mais cette personne, c'est ça ici. Il y a tellement d'amour ici. Il y a de l'amour à partager avec la reine des coupes. Il y a vraiment de l'amour entre vous et cette personne qui peut-être s'en vient ou peut-être est déjà là. Je vais regarder encore des messages avec Mystic Moon. Oh! Message avec Mystic Moon ici. Message en amour. Âme sœur. Va essayer de pas trop s'énerver, là. Pause. Dévouement. En plus, je savais qu'elle n'était pas sortie parce que je l'avais vue, qu'elle voulait sortir. Flamme jumelle. Écoutez, là, cette personne qui s'en vient, ça va être tellement beau. Si cette personne est déjà dans votre vie, c'est vraiment beau, là. C'est vraiment. C'est.
C'est que peut-être présentement, il y a une période d'arrêt de communication, où il y a une pause ici, on voit. OK, mais cette personne, la nouvelle personne ou c'est votre personne s'en vient. Il y a énormément de dévouement. Cette personne vous aime, là. Vous aime pour vrai, là. Tu sais, c'est... Cette personne a un dévouement, vous le voyez peut-être pas, mais peut-être fait des choses derrière, vous protège, fait quelque chose. Cette personne est dévouée, là, même si ça paraît pas. C'est ça le message que j'ai. Cette personne, des fois, vous protège même quand vous le saviez pas. C'est ça le message que je sais pas pourquoi, à cause du dévouement. Cette personne est vraiment dévouée. Elle est dévouée à vous. Okay. On va regarder ici. Ça va être longue la lecture. Mais c'est ça, c'est beau. Il y a vraiment, c'est beau. Février, Saint-Valentin, c'est beau. Mais il y a aussi Mercure en rétrograde à partir du 15 février, puis ça va aller jusqu'à 3 ou 4 mars, je pense. Okay. Alors, c'est là où des choses reviennent, mais ça peut être des... Il peut y avoir des vieilles affaires pas super qui reviennent pour travailler aussi, à travailler, OK? Alors, des vieilles émotions, peut-être que vous allez... Des affaires qui vont revenir, vous allez... Oh! Il y a peut-être aussi des affaires qui vont revenir, comme quelqu'un qui va revenir, OK? Alors, c'est un retour, c'est une réévaluation, c'est une période d'évaluation, on voit, évaluation de tout ce qui a été, OK? Alors, peut-être un peu du passé, un peu de travail du passé qui va arriver pendant cette période de Mercure rétrograde. Pas de panique. Pas de panique. Ça dépend tout le temps comment on voit les choses aussi. OK? Mais c'est vraiment une période de réévaluation. 6 des baguettes. C'est-tu beau, ça? C'est victoire, succès. C'est victoire. Victoire, succès. Roi des pentacles encore. Alors, il revient. OK. Alors, peut-être qu'il y a moins de messages. Là, ça revient. Les messages, tout en est. C'est beau. C'est beau qu'est-ce qui s'en vient. C'est beau, beau, beau. C'est stable. Il y a beaucoup de succès. Regardez, on s'en va vers des eaux plus calmes. On laisse aller du toxique et on s'en va vers quelque chose de plus calme. Quelque chose qui calme notre esprit. Et on a le 4 des pentacles. Alors, on pense à nous plus. C'est de l'amour de soi qu'on se donne de l'amour aussi. On a compris que c'est là. Lorsqu'on veut aller vers des eaux plus calmes, on doit s'aimer. On doit se donner de l'amour. Il faut s'occuper de soi un peu. Se retenir, pas retenir. C'est pas ça que je veux dire. Plus investir un peu de nous, peut-être enlever un peu de l'énergie qu'on donne à des choses qu'on ne peut pas changer présentement et se la donner à nous, OK? Parce que s'il y a des situations que vous ne pouvez rien faire présentement, ça ne donne rien de ruminer et d'y penser. Ça, c'est un message. On va aller chercher une carte d'ici. Une carte Angel Therapy, puis une carte de mon nouveau jeu, Archangel quelque chose. Je m'en souviens pas. Mon livre est en haut. Archangel quelque chose. Love ou romance ou je sais pas trop. J'les aime, les anges gardiens. Ils sont tous des manteaux. Ça, c'est Romance Angels. OK. D'autres messages. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Alors, cette personne vaut la peine. Ça vaut la peine d'attendre. Je ne vous dis pas d'attendre cette personne. Tu sais, attendre, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être garder une place. Rester ouvert à cette personne, mais pas attendre, OK? Alors, attendre, c'est rester dans une énergie stagnante où est-ce qu'on ne bouge pas, où est-ce qu'on ne veut pas rencontrer personne parce qu'on attend quelqu'un. Non, 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 non. Non.
C'est pas attendre comme ça, c'est rester ouvert, c'est pas fermer les portes nécessairement. Mais ça vaut la peine d'attendre cette personne, mais ça peut être long. Mais il faut avoir, faut avoir la foi en le temps sacré, le temps divin. Il y a des cartes que vous ne pouvez pas voir, là, je ne peux pas l'angle de la caméra. Là, mais... C'est ça, c'est que c'est le temps de savoir confiance que les choses se passent comme sont supposées, comme un fruit qui mûrit ou qui ne mûrit pas, il est moins bon. Hein? Alors, il faut attendre que ça mûrisse. C'est peut-être encore en train de cuire, disons. Okay. De macérer, de mariner. OK, un autre message. Archangel Michael. Alors, ange gardien Michael. You're working very closely with this powerful angel who's protecting and guiding you through this situation. Lui vous protège, OK? Lui vous aide dans cette situation. Écoutez les messages qu'il vous envoie, des synchronicités des chiffres 11-11, 12-21, 4-4-4. En tout cas, vous les voyez, si vous les voyez, c'est des messages vous disant que vous êtes sur la bonne voie. OK, pendant... Qu'est-ce que vous pensez au moment que vous voyez les synchronicités, ça? Si vous êtes en train de penser à quelque chose, c'est que vous êtes ou sur la bonne voie en général. OK? On va aller chercher une dernière. Ici. Un dernier message pour le collectif. Message pour le collectif. Valet des coupes. Page of Raphael. Gentle, loving, dreamy, open-hearted. C'est quelqu'un de nouveau qui va entrer ici. C'est quelqu'un qui va vous offrir tellement d'amour. C'est nouveau. A new emotional situation. Une nouvelle situation émotionnelle. Messages regarding relationships or social invitations. Et vous allez avoir probablement des invitations à des soirées ou avec des gens que vous aimez ou peut-être par quelqu'un de nouveau ici. Et vous avez énormément d'intuition présentement. Alors, suivez votre intuition. Qu'est-ce que ça dit, oui ou non? Vous allez le sentir tout de suite. Écoutez votre intuition, OK? C'est une nouvelle offre émotionnelle. Ça peut être pas d'une nouvelle personne. Ça peut être d'une personne que vous connaissez. Ça peut être votre personne. OK? Alors, soyez ouverts. Cette personne veut venir communiquer. Ça peut prendre tout son petit change pour cette personne de venir vous voir. Alors, restez ouverts. Même, vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne. Vous n'êtes jamais obligé de rien. Mais... si cette personne a ou a eu une importance pour vous, ça vaut la peine. Worth waiting for. Ça vaut la peine de rester ouvert et d'écouter cette personne. Qu'est-ce qu'elle a dit? OK? Peut-être. Prenez ça comme ça vous parle, OK? Alors, merci beaucoup encore d'être là, de votre présence, de vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment très apprécié. Et je vais revenir très bientôt avec une autre lecture. À la prochaine. Bye bye.